de me justifier. D'habitude, je m'en bats les couilles, mais en vrai, là, ça m'emporte à faux ma femme, tu vois, et j'aime pas. J'aime pas. Donc là, vous voyez, ma femme, avant de partir, elle a rangé comme tous les jours. Comme tous les jours. Là-bas, c'est moi, j'ai fait pour les goûter des petits, j'ai pris, j'ai ouvert. Là, je viens de finir de manger, mon assiette, elle est là, j'ai sorti ça. Donc à la base, elle n'avait plus rien sur la table. Et le sel, je l'ai ramené aussi. Là-bas, c'est la machine à laver avec tous les sacs cabas là qu'on a rangés, etc., etc. Ensuite, allez, on en vient. Là, c'est propre, on est d'accord. Là, c'est propre, ok? Là, vous vous dites, ouais, c'est quoi tout ça? J'ai plus de place dans mon placard. Je n'ai plus rien. Genre, j'ai plus de place. Je suis obligé, d'accord? Là, c'est propre, ok? Ici, genre, ma femme, elle est obligée de plier. Tous mes armoires, ils sont blindés, t'as peur. Genre, il n'y a plus de ce plat, il n'y a plus rien. C'est bon? Carrément, il y a même des sacs là-bas d'affaires, tellement j'en ai trop. Ça, c'est l'étendoir, comme tout le monde, poto, c'est le truc que tu connais, ça c'est logique. Ça, c'est la photocopieuse, tout ça, on en a besoin, donc on est obligé de la brancher là. Ça, c'est le lit qu'on va vendre. On est en train de le vendre, donc il a plus sa place dans la chambre là-bas parce que le petit l'a grandi, c'est mort. Après, voilà, qu'est-ce que j'ai. Voilà, donc là, c'est comme ça, c'est bon, ok. Maintenant, attendez que les petits ils arrivent. C'est quand les petits ils vont arriver, vous allez voir par vous-même. Tous ceux qui ont des enfants, ils peuvent comprendre. Ceux qui en ont pas, vous pouvez pas, même pas parler avec moi. Surtout, eh, vas-y, voilà, laisse tomber, voilà. Eh, comment j'ai le démon là, vous savez même pas. Comment vous pouvez dire, sur Twitter, les gens, ils disent, ouais, c'est pas tenir une maison, ah, baba, engager une femme de ménage, ah, ça. Frérot, même si elle vient, même elle va avoir ça, j'ai trop d'affaires. On va pas tarder, je pense qu'on va déménager, on va pas tarder parce que j'ai trop d'affaires, j'ai plus de place dans le truc, j'ai plus rien, t'as vu? Voilà, en tout cas là. Là, maintenant, attendez que les enfants, ils arrivent, tout simplement. Quand tu vas voir les enfants, tous les soirs, c'est la même chose. Et à chaque fois que ma femme, c'est juste que moi, je commence à snapper d'habitude vers 16h, 16h30. Les enfants, ils sont déjà là, ils sont déjà en train de foutre le bordel. Mais à chaque fois que les trucs, elles partent, carrément, elle est même pas là. Donc voilà, tout est à sa place, tout est rangé, tout est, vous inquiétez pas, tout se passe bien. C'est juste que quand les enfants, ils vont arriver, pousse-toi de la route, c'est tout. C'est tous ceux qui ont des enfants, et je pense qu'ils comprendront. Ils arrivent, truc, et ma femme ne peut pas courir derrière eux. Bref, on attend qu'ils jouent, ils finissent de jouer. T'as vu, on n'est pas des tortionnaires. Nous, ils font des tortionnaires, ils font ce qu'ils veulent. T'as vu, ils veulent jouer, sortir les jouets, s'amuser, tout truc. Et ensuite, ensuite ma femme, excuse-moi, je dis nous, mais c'est ma femme, moi je fais rien. Je vous mens pas, moi je fais rien, c'est vrai. Mais voilà. Maintenant, comme ça, vous avez compris et c'est réglé. Et fin de. Mais bref, ça fout le démon de. Ah, tu vois quand je vois ça là, quand ça dit, ah, ma femme, elle sait pas, nanana. Vous savez même pas ce qui se passe déjà. Ma femme, elle est fatiguée en ce moment. Ça veut dire c'est compliqué. Bref, vous savez même pas ce qui se passe. Vous parlez. Le Coran dirait, je suis un mec. Ah, vas-y, j'ai le démon déjà de faire des snaps comme ça. Wallah, vas-y, je fais fin. Plus jamais de ma vie, je fais ça. Comme ça, c'est clair. On récupère mon petit. Il a le pantalon à l'envers. C'est quoi ça? Ton talon à l'envers, non vraiment. Mais c'est qui vous a bu, wesh? C'est lui tout seul. Ton talon à lui. C'est quoi ça? Là, je vais vous expliquer un truc, sinon vous allez pas comprendre quand je vais mettre la story et ce serait dommage. Et c'est ça, la femme à mon voisin Samuel, elle a appelé, elle lui a envoyé un message, elle lui a dit faut que tu ailles chercher une bourraka en urgence. Et bourraka, ça veut rien dire, personne sait ce que ça veut dire. En fait, c'est burrata. Mais elle, la dernière fois, il avait fait la même chose avec. Bref, je vous laisse voir après pour. J'ai tout mis dans la story. Mais juste dites-vous que burrata, c'est burrata à la base. T'as capté? Et lui, il sait pas ce que c'est une burrata. Ça veut dire, ils lui ont dit burrata. Et lui, il va. Je suis allé avec lui, je l'ai accompagné au magasin. S'il vous plaît, regardez. J'ai besoin d'aide. Je cherche quelque chose qui s'appelle burrata. Je sais pas ce que c'est, je sais pas. Il n'y a pas burrata ici. Pour moi, c'est pas ton produit. Je sais pas. Non, c'est pour madame qui est enceinte, elle a envie de burraka. Non, ici on ne fait pas ça. C'est oui. Demande bien. Allô? Ouais? Oui, chérie, je suis avec un agent de sécurité qui est super gentil là. Et il ne connaît pas burraka, il ne sait pas qu'est-ce que c'est. C'est quoi? Mais sérieux? Oui, c'est, mais moi je ne sais pas. Moi je ne sais pas exactement ce que c'est. Mais qui t'a dit ça? Mais il fallait lui demander ça se vend où. Parce que là, le mot là, c'est la première fois même que j'entends ça. Burraka, bah oui, c'est la première fois, c'est bizarre ça. Mais c'est, madame, ça, c'est pourquoi? Vous avez besoin de ça pourquoi? Pour manger, c'est du fromage. Ah, c'est du fromage. Fromage burraka. Après, je ne peux pas vous dire plus. Ok. Il fallait dire que fromage, le nom de fromage, ça s'appelle burraka. Burraka. Oh, merci. Là, on ne sait pas, peut-être que.
On peut chercher, voir ça, mais... Buraka. Là, même Buraka. Le fromage, là, c'est la première fois. C'est vrai. Moi aussi, même... Je pense qu'il y a un moyen. Mais on a retrouvé encore, attends, on a le monsieur qui nous accompagne, qui essaye de... Buraka, c'est ça, oui, Buraka, c'est ça. Moi, je dis Buraka, mais c'est Buraka. Mais non, il a comment pour le faire. Ouais, voilà. Même moi aussi, je ne connais pas bien. Il y en a plus, je ne l'ai plus. Ah, où est-ce qu'on peut trouver urgent pour une femme enceinte. Vous avez dans le stock, peut-être, derrière. Quand tu étais fort, non. T'as vu, elle a mal pour le faire, non. Buraka, on dit. Burata. 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 Oui. Mais pourquoi elle m'écrit Buraka? Non. Buraka. Buraka. Non, d'accord. C'est le correcteur. Tu vois, la honte. Tu me fais passer la honte, même Charles dit. Non, c'est rien, c'est pour connaissance d'accord. Moi, je fais deux jours à Carrefour, parce que là, moi, je l'ai fait. Vous pensez qu'il peut avoir. Mais ça, c'est, non, c'est une petite barquette plastique, comme les yaourts. Il y a de l'eau dedans. Bon, maintenant qu'on connaît mieux le nom, je pense que ça va être plus facile. Merci. Il faut commencer par fromage. Burata. Burata. Ouais, parce que si je rigole, c'est ma Buraka. Mais vous avez raison, on aura un truc africain, Buraka, c'est plus. Mais oui, c'est vrai. Donc, fromage, burrata. Burrata. Burrata, c'est comme le fromage. T'as vu la voulue de Burrata. Burrata, c'est burrata. C'est bon. Merci, mon chef. Merci, chef. Merci. T'as vu ce qu'elle t'a fait, ta femme? Elle t'a écrit Buraka. Buraka. T'as vu? Buraka. Buraka. Non, mais moi, je sais pas. Lui, Buraka. Tu t'es tapé l'affiche. Bah oui, comme toujours. Là, ils se sont foutus de toi, là. La dernière fois, c'était Nestoff. Maintenant, c'est le Buraka. C'était quoi? Nestoff. C'est quoi ça? Pour le McDo. Le best-of, elle t'a dit Nestoff. Je te jure, voilà, regarde, il est là encore, regarde. D'où mène au filet au fiche, Maxi. Juste la vérité. Vas-y. Je te jure, ils ont fait exprès. Mais oui, je suis sûr. Ils ont fait exprès pour que je t'appelle comme ça. Je pense que t'as la honte. Mais je te jure, même le monsieur, il est très gentil, là. Ouais, c'est un truc de fou. Buraka. Alors que ça s'appelle Burrata, et en plus, c'est de fromage, c'est pas un plat. C'est fromage, c'est un plat. C'est grave. Vous vous êtes tapé l'affiche, là. Elle énerve, là. Vous vous êtes tapé l'affiche de rien du tout. Arrêtez aussi, là.